Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur un nouveau jeu de Mario qui s'appelle Super Mario 3... Attendez... Bowser's Fury, pardon, je me suis trompé. Alors ce magnifique jeu est sorti hier et nous allons seulement toucher à Bowser's Fury parce que ce jeu, on l'a complété sur la Wii U, tout le let's play sur ma chaîne, alors je vais pas recommencer ça. Alors, Bowser's Fury, on va jouer avec... le fiston de Bowser. Alright. Vous savez, si Bowser's Fury était pas dans la version Nintendo Switch, j'aurais jamais acheté ce jeu-là. Anyway, on y va les potos, on va aller tuer Kaiju Bowser. Ça va être tellement de fun, oui. J'ai regardé des trailers de ce jeu-là lorsque c'est sorti la première fois et puis j'étais comme... Damn, son! Wow! Ça a pris 10 ans pour charger le jeu, voyons donc. Une chance que je peux accéder à ce jeu sans avoir besoin de jouer à Super Mario 3D World, hein? Référence à Super Mario Sunshine, l'un des premiers jeux de Mario 3D que j'ai terminé au complet. Alors, peut-être que je vais avoir Flood, hein? Mon coéquipier qui jette de l'eau. Ah! Ah! Je crois que je peux jouer! Ah ben voilà! Hey yo! Honnêtement là, ça c'est totalement différent de Super Mario 3D World! Mais what the hell? Regardez aux alentours! Bon ben, c'est ce que je fais depuis le début, y'a rien d'autre qui se passe. Non mais pour vrai, totalement différent, je sais pas si vous avez remarqué ça. Alors, on va regarder les boutons du jeu, ça c'est sauter, ça... What? Oh, ok, pendant un instant, je croyais que je pouvais pas courir. Donc ça utilise le engine de Super Mario 3D World, mais disons que c'est totalement différent du jeu de base, hein. Bon, à part pour les contrôles là. Anyway, sautez, brother. Est-ce que je peux taper ça, man? Attends, wouh! J'ai complètement oublié comment on joue à ça. Ah, je peux pas péter ça? Même avec mon super saut de la mort et je fais kaboom avec mon postérieur. Alright. Nani! Kaiju Bowser, bro! Oh! Il est déjà là, brother! Ah, ok, alright. Merci de me donner de l'argent pour me dire où qu'il faut aller, mon frère, hein. Attendez. Oh, oh, attendez. Yup! What the hell, brother? Ok. On va faire le tour comme ça, on n'a pas trop le choix. Et... J'ai vu quelque chose d'intéressant, je peux passer par là. Ah, il y a sûrement des secretos, ami. Je suis revenu en arrière. Alright, les boys! Ce jeu est tellement bizarre parce que c'est un mix de Super Mario 64 et Super Mario 3D World. Je sais pas comment vous le dire, là, mais... Ah, il faut passer par là, Bradis. Oh, what the hell? Astrophénet gagné! Allumage de la lumière du phare! T'es sûr que tu peux respirer, mon frère? Ok! J'ai vu que ce bonhomme-là, il aime pas la lumière. Ok! Alright! On me jette là-dedans comme ça et je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Mario, il est fort, oui! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, toi? Ah! Oui! Je voulais me faire un ami, il est parti en vacances. Écoutez cette musique! Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est une musique de Mario, mais... De quel jeu? Telle est la question, mais... Hein? Hein? What the hell? Non! Non, je peux sortir des power-ups à gauche, à droite, en bas, en diagonale, comme ça? No way! Alrighty, boy! Sans mes fesses, brother! Ça n'a pas trop bien marché. Est-ce que je peux aller là, comme ça? Et hop! Est-ce que c'est moi ou bien ces arbres ont des oreilles de chat? Tu vois ce que je veux dire? Yo! Brother, comment vas-tu?
Bowser Junior a l'air d'avoir un problème. Mario, mon pauvre papounet est totalement incontrôlable. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis sûr que tu as foutu ton pinceau sur sa face et c'est ce qui est arrivé, voyons donc. Mais Mario le sait même! J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu trop grand et totalement fou. Tout ça, je vais pas pouvoir faire retrouver Papa Pounet. Ça n'était normal. J'aurais jamais, jamais imaginé devoir un jour te demander ton aide. Mais je ferai n'importe quoi pour sauver mon papounet. Alors s'il te plaît Mario, aide-moi. 5 dollars. Vous avez décidé de faire équipe avec Bowser Jr. Oh yeah, j'adore faire équipe avec mes ennemis jurés. Mais dans quelle mesure voulez-vous qu'ils vous aident? What? Attends, un peu, beaucoup? Pas du tout? On va essayer un peu, je sais pas ça ressemble à quoi son aide là, mais bon. Vous avez dit à Bowser Jr. que vous vouliez un peu d'aide. Si vous souhaitez changer ce paramètre par la suite, sélectionnez option dans le menu plus et vous... désolé, il faut aussi que vous sachiez autre chose. Si vous vous partagez les manettes Joy-Con avec une autre personne, celle-ci peut contrôler Bowser Jr. Il suffit de sélectionner joueur 2 dans le menu plus. Je suis seul, man. Tu veux jouer avec moi, Moumou? Non! Alright, les boys, on va jouer seul. J'ai pas trop le choix. Alright! Ok, comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que... Bon, j'ai aucune idée. Peut-être que si je vais là... Yo! My boy! Va peindre ça! Non? Ah! Je savais que j'allais faire mal, Paddy! Je croyais que si j'allais sauter là, il allait faire de quoi, là? Bon, on dirait un jeu à monde ouvert, un peu à la Mario Odyssey, en fait, hein? Ouais! Ok, attendez. Y'a rien qui se passe? Alrighty, boy. Yo, my boys! Ratata! Et sans mes fesses! Ouais. J'ai vraiment aucune idée où ce qu'il faut aller, mais bon, il y a un petit ami ici. Et qui dit ami? Dit. Bowser Junior qui pète les sbires de son boss? De son papa? Parce que. Attendez une seconde. Est-ce que Bowser est le boss de Bowser Junior? Oh, c'est juste son papa. Privage mystigrille allumage de la lumière du phare. Donc il faut que j'aille chercher un truc. Je sais pas quoi là, mais bon. Ah, je savais que... Yo, t'es un boss, yo. Attends. Refais ça pour moi, frère. Y'a plein d'air. Ok, il faut que Bowser Junior s'en approche. D'accord. Hé, j'ai pas utilisé les champignons que j'avais en réserve. Non. Oh ben oui! Évidemment que je suis supposé avoir ce power... Yo, attendez, j'ai compris quelque chose. Et si je faisais ça comme ça? Oh! Comme boss, oui! C'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai aucune idée, man! Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est me promener à gauche, à droite, en bas, et puis là. Mais il faut avouer que le jeu est beau. Je sais pas s'ils ont amélioré les graphiques, là, comparé à Super Mario 3D World. Ici, c'est les mêmes graphiques, mais tout ce que je sais, c'est que c'est beau. Oh, bah dis donc, oui! Belle musique joyeuse pour un monde qui est dans le caca, n'est-ce pas? Okay, on y va. Pas le temps de niaiser plus à des. Wow! Oh! Il peut prendre l'argent pour moi aussi! Mado! Attendez. Mado! Oh my god, c'est dur à contrôler ça. Je vais l'avoir regardé ça. Magico amigo. Donc il m'en manque 3 pour faire je sais pas quoi. Et... Ah, ami ennemi? Je suis un homme coincé dans un costume de chat, ma queue se retrouve au mauvais endroit, voyons donc! Oh my god! Blablabla. Attendez. What? Oh! Oh! Oh, je peux... Il m'attaque pas. Ok, non, non, what the hell? Oh, ok, on dirait que je peux avoir une armée de chats avec moi. Et je peux aller là pour... Prendre cette affaire, je sais même pas à quoi ça sert, honnêtement, non? Ah, il y a du vent. Et il pleut. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai glandé trop souvent ici? Oh! Oh lolo! Attendez, j'ai un autre power-up! Regardez ça! Est-ce que je peux changer? Ok, non, je peux pas devenir un champignon boy. Je ne déjà même pas contre lui, je suis juste un petit chat, moi! Yo, hey! Ah! Yo, what the hell? Ok, non.
Il s'est fait écrabouiller. No way. Attendez, hold up. Ok. Quand Kaiju Bowser apparaît, mes amis deviennent mes ennemis. Coup de pince. Attendez, est-ce qu'il peut m'attaquer pour vrai? Ok, yo, il allait m'attaquer pour vrai. Oubliez ça, moi je m'en vais ici. Je vais prendre ce cash là et je vais m'acheter des nouveaux amis parce que l'argent achète tout, brothers. What the fuck, mais c'est quoi votre problème, man? Oh my god, bon, Shindader! Haha, ok, alright. Non, mais pour vrai, c'est vraiment comme un jeu à monde ouvert. Tu sais même pas ce qu'il faut se diriger, man. Quoi? Mais on dirait qu'ils peuvent pas me faire mal. Ils essaient de m'attaquer, mais ils peuvent rien faire. What the hell? Hein? Ok, j'ai un deuxième power-up de chat, mais j'ai pas amélioré mon costume. Parce que c'était pas la même cloche, hein? Ah! Je comprends! Il vient de façon random, juste pour me pourrir la vie, faire en sorte que mes amis deviennent mes ennemis, et peut-être mes ennemis en amis? Ah non, il y avait des Goombas que j'ai tués, et puis ils sont restés des ennemis, man. Yo, je me demande si je fais ça, là! Ah, ok, il n'y a rien qui se passe. Bon ben, bienvenue dans ce monde de chat, Brandes! Où est-ce qu'il faut aller maintenant, Torino? J'espère que j'ai rien manqué. Je suis sûr que j'ai manqué de quoi, parce que regardez, c'est un jeu à monde ouvert. Je sais même pas où est-ce qu'il faut se diriger. Oh! What the hell is that? Une map? Vous êtes ici? Île? Giga Cloche? Faut que j'aille vers le Giga Cloche Rino qui se retrouve ici? Oh my god, j'ai rien fait pour vrai! Rivage Mysticry! Ok, d'accord! Ben voilà, hein! Bon ben yo, on va juste se promener à longueur des journées. Si on trouve de quoi, on trouve de quoi et donc c'est, hein! Oh! Ma vie! Ouh! Il m'en manque un maintenant et... je sais pas si je vais toucher à ça. Ah! Ok! On aurait dû me le dire. Eh ben attendez une seconde, je suis jamais allé en bas. Peut-être que le quatrième truc là que j'ai besoin se retrouve ici. Ah, j'ai pas mal. Évidemment. Je m'appelle Jumpman Gradet. Allez, attaque-le, frère. Alright, you boy. Oh! Oh nice, je suis redevenu un chaton Gradet. Bon, j'ai vu la grosse cloche, je pense. Mais là, je peux détruire ça pour vrai. Yo, je peux avoir une colle de prop, hein? C'est trop nice cette affaire-là. Mais là, il me faut un pouvoir spécial pour ça. Ok. Et ici, what the hell? Attends, envoyez Bowser Jr. examiner quelque chose. Donc, incliner la manette pour déplacer le curseur tactile. Oh, et là, va là, bro. Ok, il faut que je lâche le bouton. Fleur! Oh! Yes! Kamehameha! Ok, il est tellement petit, c'est pas bon ça. Je me demande si je peux faire de quoi ici, cette plateforme n'est pas là. Oh, c'est vraiment juste pour ça? Oh, ok. Mais là, rappelez-vous, il y avait des blocs en forme de glace, si je me rappelle bien. Ok, c'est vraiment pas de la glace cette affaire-là. What the hell, brothers? Bon, ben, attendez. Ok. D'accord. Bon ben yo, j'ai pas encore trouvé l'autre truc qui manque, man. C'est pas bon ça. Je vais tous vous barbecue et katongo kakyu no jutsu. Je m'appelle Sasuke, yo. Et ouais, ah ouais, j'avais trouvé un truc là dans le titre là-bas. Cela veut dire que si je vais en haut, le truc se retrouve sûrement en haut. Alors pour se faire, je sais même pas c'est quoi la différence entre ça et ça. Mais je vais prendre ça. Voilà. Je peux changer mes power-ups comme un boss. C'est tellement nice là, mais... C'est par là qu'il faut... What? C'était pas du tout ce que je voulais faire. Ma boy, j'ai trouvé quelque chose. Attendez, regardez ça. Yo, va inspecter ça, mon frère. C'est juste un champignon, mais... Oh, je vais pas aller me forcer à aller chercher ça. Mais là, comment je suis allé en haut la dernière fois? J'ai complètement oublié ça. Et puis, yo! Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever le curseur qui est au milieu de mon écran? Parce que j'ai vraiment aucune idée. Et là... Alright.
Oh! Oh! Vous savez ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui arrive! Ok, vous savez comment et qu'il arrive là-bas, je prends sa main! J'aurais dû le prendre depuis le début là, mais bon, Astrophène a gagné! Allumage de la lumière du phare! Je voulais juste trouver le quatrième truc qui me manquait, voyons donc! Oh! Peut-être que si je vais en haut, je vais trouver de quoi? Quand tu penses arrive! C'est génial! Il est coincé en bas, le dude! What the hell, brother? Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon écran, il y a jusqu'à boum. Boum, Langolino! Oh, Ready Boy! Non, mais attendez. Oh, si je regarde là-bas... Il y a trop de boules de feu pour que je regarde qu'est-ce qui se passe. Mais j'essaie de trouver le dernier truc. Et puis, je le vois pas. Oh, mais attendez une seconde! J'ai trouvé quelque chose d'intéressant! Là-bas! Regardez! Il y a un bloc, là, qui apparaît nulle part! C'est pas le moment de show off, mon petit Mario Man. Wouh! Et... c'était pas du tout ce que je voulais. Peut-être là. Oh man! Moi qui croyais que. What the? Quand tu penses! Une chose que j'avais une protection! C'est pour ça qu'il faut porter des casques lorsque vous allez vous amuser. Non! Ouais! Yo, y a-t-il des ennemis ici? Qui veut ma peau, brother? Oh! Ok, il faut que quelqu'un pense à attaquer ça peut-être! Et là, je vais trouver le quatrième truc qui me manque! Est-ce que c'est possible? Kaiju Bowser est parti, mais regardez ce que j'ai trouvé en bas de... j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vais essayer d'utiliser ça juste pour plaisir. Je suis un chat en or, si je comprends bien. Quelque chose comme ça. Peut-être que j'ai un pouvoir magique, hein? Non! Ma boy! Ok, non, il faut que je t'aime le tout. Et c'est maintenant! Un jour, je vais l'avoir. 3, 2, 1. Ah, comme un boss, man! Ok, j'ai les 5 trucs, qu'est-ce qui se... Astrophélin gagné. Ok, il y en avait un qui se cachait au beau milieu de nulle part, man. On m'a pas dit qu'il y en avait deux. On m'a dit qu'il y avait seulement un truc. Alright, et là, regardez ça. On va se faire du cash, brothers. Le jour, est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Ah, regardez ça! Brrrrat! Je suis riche, les amis, oui! Alright, les amis, je vais retourner en haut du phare juste pour voir ce qui se passe parce que tout à l'heure, il a brillé, non? Ce phare voudrait apporter son éclairage sur un sujet. Cette matière noire et visqueuse disparaît quand elle est exposée aux rayons lumineux des astres félins, mais certains astres félins préfèrent ne pas se montrer au grand jour. Si vous avez du mal à en trouver un, allez donc tenter votre chance sur une autre île. Les îles avec un phare cachent souvent quelque chose. Grimpez sur un point d'observation élevé et ouvrez l'œil pour tenter d'en repérer un à proximité. Ok, yo, pour ce phare, je vois qu'il y a encore 3 trous. Ok, j'en ai couvert 2. Donc il reste encore 5 étoiles sur ça. Mais là, au loin, il faut dire quelque chose. Pour l'instant, je vois rien du tout. Soit j'ai besoin de nouvelles lunettes, soit je suis aveugle. Mais bon, il faut continuer notre aventure, n'est-ce pas? Alors on va aller juste là faire ça. Pour prendre un champignon vénéneux. Alright, regardez ça. I'm rich, brother! Attendez, I'm rich, brother! Giga cloche et des sables 5 pour éveiller la giga cloche. Ah, d'accord. Donc, si je vais aller tuer Giga Bowser, Kaiju Boy, il faut que je pogne 5. Comment ça s'appelle encore? 5 trucs, là. Bowser Junior semble vouloir dire quelque chose. Voyons donc. Wow, ça, c'est une giga cloche. J'ai entendu un dicton sur ces cloches. Il me semble que c'était quand la bête se dressera, la giga cloche sonnera ou un truc du genre. Mais il faut sans doute la débarrasser d'abord de cette matière noire visqueuse. Quelques astres félins de plus pourraient peut-être en venir à bout. Encore 2, et ça va être igloo et puis yo, vous avez vu ces offrandes? Eh ben c'est tout à moi maintenant! C'est Bowser Junior qui les a pris. On partage? Bon, j'ai le choix entre aller ici et aller ici. Je crois que je vais aller ici, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Voyons voir ce qu'on peut faire, les brothers. Wouh! Wouh! Speed boost? Château des chatières mise au pas des voyous chats. Ok, honnêtement, on va juste jouer avec des chats à longueur de journée sans se voir, brothers. Donc, ok, dans chaque monde de ce genre, il y a 5 petits jetons de chatons, si je comprends bien. C'est quelque chose comme ça, regardez ça. Hi-ya! Nice ou! Mais là, ce truc-là, là, comment on le décrit pour vrai? Yo, si je veux du cash à longueur de journée, juste à faire ça,
Ah, mais c'est cheaté! Mais bon, je vais pas faire ça à longueur de journée, oublier ça, man, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Alright! Yo, Kevin, Katon, Kakyo no Jutsu, vous! Hey! Je peux pas les brûler et les manger? Ok, c'est bon, je crois qu'on peut seulement faire ça si on est en Chine, hein? Bon, ben. Allons ici. Ma boy, attendez. Yo, arrête de quoi? Ma boy! Ah, bon! Mon dude là, il est obligé de courir, voyons donc! Alors, si je fais ça comme ça. Est-ce que je suis un boss? Ok, donc il m'en reste deux à aller chercher, c'est sûrement en haut, juste là. Qu'est-ce que? Vous êtes tous en train de chercher? Oh, vous voulez vous faire Sasuke? Eh, j'ai compris les potos. Ah ben avant tout, on va aller chercher ça. Oh, chaque fois que je saute, ça fait ça. D'accord, j'ai compris. Donc en gros, regardez ça. Ah, j'ai manqué mon... What the? Yo, brother, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Mais là, je me demande qu'est-ce qui se passe si je vais là. Ah, y'a rien qui se passe. À moins qu'il faut que je me transforme en chat. Je crois pas la mer. Yo, my boy! Voilà! Merci de m'avoir aidé, mon frère. Pop, pop, pop! Yo, ce sont les boules de feu qui vous tuent. Moi, je suis innocent. Attendez, regardez ça. Brother! Attends, yo! Ici! Brother! Je suis innocent, man. Ah, ok, fallait les tuer pour obtenir ceci. Mais bon, il y a sûrement quelque chose d'autre à faire, c'est pas possible. No way. Et là, ouais, je vois ce truc, mais c'est impossible de le prendre. Ah, où est-il? Yo, je l'ai vu. Oh my god. Ah, non, j'ai perdu, ça va de toi, putain. Astre Félin gagné, mise au pas des voyous chats. Ah, il est figé le dude. Est-ce que je vais en haut? Chaque fois que j'active ça, il va partir! Ah, ok, c'est intéressant à savoir. Donc en gros, si je veux lui dire bye bye Chikawa, wow, je sais déjà quoi faire. Alrighty boy! Donc il manque encore un truc là, un jeton. Je l'ai vu le jeton, voyons donc! Ce phare a une brillante suggestion à vous faire. Vous devriez essayer de ramasser un maximum de pièces. À chaque fois que vous en collectez 100, vous obtenez un objet de transformation. Et vous pouvez avoir jusqu'à 5 exemplaires de chacun de ces objets en réserve. Ça, c'est très intéressant à savoir. Cela vous sera certainement utile dans votre aventure. Alors ramassez des pièces pour obtenir quelques objets de transformation supplémentaires. Ok, alrighty boy, attendez. Youpi! C'est là. Bon, j'ai 3 champignons. C'est nice. Croyez-vous que je peux l'avoir si je fais un kaboom avec mon ground pound? Je vais se faire mal, en plus qu'il y avait mon ombre qui me dirigeait. Là, voilà. Allez, 5 fragments d'astre félin. Le deuxième trou à partir du haut. Je le savais! C'est la même chose que pour l'autre. Vous avez ramassé... rassemblé 5 astres félins. Un message émanant de la giga cloche se met à résonner. Quand la bête se réveillera, je m'éveillerai aussi. Oh. S'il vient, je peux faire un kaiju battle avec lui si je comprends bien. Oh. Yo, je me demande quelque chose, brother. Si je suis pas un chat, est-ce que tu m'aimes? Oh, ok, ce mec-là me déteste si je suis pas un chat. Bon, ben yo, tu vas perdre ta maison, mon brother. Viens ici, je te mène chez tes nouveaux parents. Je t'ai vendu pour 2,99. Donc, pour l'instant, je crois pas que j'ai autre chose à faire. Alors, je vais aller vers la prochaine destination qui se retrouve. Comment ça s'appelle, là, cet endroit? Île de Sotmatou. Mon instinct de chinois vénéneux me dit que je dois sauter ici. Oh! Ok, j'ai quand même pas... Attendez. Ah, vous savez quoi, oublier ça, mais je vais pas sauter par là. Donc, voyons! Et ensuite, je crois que je vais prendre... Non, attends, tu peux me donner quelque chose d'autre, buddy? Comment je fais ça? Ah, voilà! Je veux ceci, je l'ai jamais utilisé. Rakuna Boy! Oh, ma boy! Mais avant tout, je suis sûr qu'il y a de quoi à faire ici. C'est toujours comme ça dans ce genre de jeu vidéo, on adore cacher des trucs. Juste là!
Ah! Là? Oh, attends. Whoop up! Il apparaît comme par magie ce mec-là, hein? Oh! Money, money, money! Hein? Ah! Attendez, est-ce que c'est ça? Ah bah ouais! C'est money, money, money! Mais cela ne change pas le fait que je sais pas comment taper ce truc-là! C'est trop bizarre! Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Je suis sûr que c'est pas la plume. No way, man! Bon ben, les potos, je sais même pas où je suis en ce moment pour être honnête avec vous. Mais, on va aller ici tôt taper ces chatons! Gros potos, amigo! Et... Sarah? Sarah? Bien! J'allais rater mon coup, mais... Oh! Yo, ça c'est super efficace pour tout défaire, hein! On veut que je saute dans le vide. Mais moi, je veux pas sauter dans le vide. Attendez. Kaiju! Kaiju Bowser! Oh boy! Est-ce que je vais me battre contre lui, les amis? Ah! Je sais pas pourquoi j'ai sauté dans le vide! Non, je vais continuer à chercher les as. Let's go. Ah! Ah! Je veux voir à quoi ressemblent les ennemis! Ok, ils ont pas vraiment changé, hein? Yo! Je devrais aller chercher ça et me battre, mais vous savez quoi, je vais faire ça la prochaine fois. Je vais me réserver la surprise une autre fois juste pour le plaisir, parce que pour l'instant là, je vais essayer de le boomerangeriser. Non! Oh ma dude, yo, peut-être que je devrais faire un kaiju battle, hein? Ok, non. Non, tout est correct pour l'instant. Alright! Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller là? Ah! Tu peux prendre ça? Alright! Attends, on va aller en haut. Oh, ma dude, mais avant tout là, je sens qu'il y a de quoi. Je la sentais tellement celle-là. Non! Oh, what the hell, bien! J'ai pas envie d'enlever ma protection. Et vous savez quoi? Je crois que je vais utiliser Chaton Boy. J'ai 5 power-ups de ça, alors pourquoi pas? Voilà, même si je peux taper, ce n'est pas si grave que ça. Hey, Kaiju! What up? Tu veux ma photo, man? Yo, est-ce que c'est bon, bien le Bowser veut tout simplement juste pas partir? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut que je le tue? Est-ce qu'il faut que je fasse de quoi pour qu'il s'en aille? Ok. Non, mais même les Hammer Bro sont en forme de chat. Wow! Ah, il est pas sale maintenant! Tout à l'heure, il était tout seul, mais maintenant, il est correct! Alrighty boy! Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois, alors il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour l'instant, à ce que je vois bien sûr. Alors ouais, on va faire un gros kaiju battle avec Bowser la prochaine fois, ça c'est ça à 100%. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, vous procurer l'un des 7 t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, rappelez et que vous les mettez en fait de support amigo, et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye! Bye.